Ça va? Ça va? Ça peut aller? C'est bon? Applaudissez pour la paix en Côte d'Ivoire. Ce que je voulais dire, avant de commencer, je voulais qu'on dise merci à quelqu'un qui a permis qu'on soit tous là, qui est bon Dieu le Tout-Puissant. On applaudit pour Dieu. Et ensuite, applaudis encore pour la RTI qui chaque fin d'année procure de la joie à toute la nation. On applaudit pour la RTI. Bon, moi, j'étais élément. J'ai gradé des montres. Mais ce que j'apprécie actuellement, c'est l'évolution de la technologie. Actuellement, on se croit sur Facebook. Tu as Abidjan ici, tu as camarades jusqu'au Japon. C'est l'évolution de la technologie. On se met ensemble sur Twitter. C'est l'évolution de la technologie. On commence à se tromper en MSN. C'est l'évolution de la technologie. On se réconforte en s'envoyant des baisers en SMS. C'est l'évolution de la technologie. Mais de toute façon, c'est en train d'avancer là. Est-ce qu'à la longue, on ne va pas se marier en Bluetooth pour avoir des enfants en clé USB? Vous savez, moi j'ai ma manière de comprendre les choses. Nous avons un bon pays qui est la Côte d'Ivoire, qui est un pays d'hospitalité, un pays de tout. Mais moi je ne sais pas pourquoi nous ici, politiques, nous divisent. Pourtant, tous ceux qui sont partis politiques ici là, les mêmes choses sont représentées dans le ciel là-bas. Et ils vivent ensemble sans problème. Pourquoi c'est chez nous ici qu'il y a problème? Sinon, quand il regarde les partis politiques ici, Dieu lui-même il est RDR. Quand tu prends roi des rois, ça donne RDR ou bien? Jésus, lui, les FPI, fils du Père incarné, ça donne FPI ou bien? C'est l'Esprit Saint même qui va tuer dans tout ça. Lui, les PDCI. Puissance divine et créatrice invisible. Nous, on ne sait pas pourquoi. Applaudissez pour la paix en Côte d'Ivoire. Matin, là, je sors. Je vois petit attroupement devant ma cour. C'est un accident. Il y a un wororo qui a cogné un petit bété. Quand tu prends 100 chauffeurs de wororo, il y a 95 qui est du là. Donc le vieux bété, il est dans tous ses états. Il s'adresse au chauffeur. Il dit, « Net, tu as fait exprès. » C'est parce que tu as ce qu'il a bété, tu l'as cogné. Tu as laissé Madou, tu as cogné Zoku. Tu as laissé Sekou, tu as cogné Zoku. Tu as laissé Asetou. Tu as cogné Zoku, c'est attentat. Mais c'est vous-même, vous, président, il a parlé. Il dit réconciliation, d'accord, mais de justice d'abord. Tu as des enfants? Le gars, il dit oui. Il dit ok, on va partir de ton maison. Ton dernier, il a quel âge? Le gars, il dit 8 ans. Il dit, il est même âgé avec ce coup. On va lui prendre, je vais lui envoyer. On va enlever ce coup, je vais mettre ton enfant. Moi-même, je vais monter dans la voiture, je vais faire masse arrière, je vais lui faire même chose. Là, la justice, il est équitable. Au même moment, voilà un gars qui vient à Drekeba. Il dit, bon, voilà, bonjour, c'est moi qui suis le propriétaire de la voiture, voilà. Il dit, Enes, c'est toi le propriétaire de la voiture. C'est toi qui as parlé ton chauffeur, il n'a qu'à cogner mon zoku. Le gars dit, non, bon, en fait, c'est un accident, c'est déjà arrivé.
je pense qu'on va s'aider. Moi, j'ai beaucoup de moyens. Tout ce que vous allez dire, je vais faire. Il dit, Enet, tu as les moyens. Le gars, il dit oui. Il dit, donc, tout ce que je vais dire, tu peux faire. Il dit oui. Il dit, tu s'appelles comment? Le gars dit, moi, c'est Monsieur Soumaoro. Il dit, tu as Djoula. Le gars dit, en fait, je suis malinqué. Il dit, vous appelez Djoula. Vous êtes malinqué maintenant. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. OK. Bon, Monsieur Marinke, pardon. Monsieur Soumaoro, c'est vrai que Zoukou, il a blessé. Comme tu dis, on va s'arranger. Moi, j'ai un problème dans ma fatigue depuis. C'est les moyens seulement qui peuvent régler. Comme tu as les moyens, Dieu merci. J'ai dit, Monsieur Soumaoro, avec tout ton moyen là, est-ce que tu peux m'aider à libérer Bago? Le gars dit, ah, mon frère, moi-même, je n'ai jamais croisé Alassane. Tu me dis qu'il n'est qu'à t'aider à libérer Bago. Il dit, OK, donc on va partir ton maison. Je vais prendre ton enfant. Je vais lui faire même chose. Le gars dit, on n'a qu'à s'arranger. C'est déjà fait. On n'a qu'à s'arranger. C'est un accident. Moi, je laisse. On n'a qu'à s'arranger. Je passe. J'arrive devant Niaoré. Il m'appelle. Il dit, petit, viens ici. Avec ton CV ménager là. Il dit, tu sais, mon petit, tu as un enfant, tu as bien. Tu sais, il y a beaucoup quelque chose qui a passé le pays. Hein? Mais quand tu regardes le pays, tout le monde il fait alliance avec quelqu'un, sauf nous le bété. Le bété, on n'a pas de allié. Baouré, il fait alliance avec Agni. C'est nouveau, il fait alliance avec Koyaka. Tout le monde, il est fait alliance, sauf nous le bêté. Mais le bon Dieu même, il a décidé que tout change. On a pris une décision. Normalement, on doit parler des grandes sorcières, Ariel Dagri Diabaté. Mais comme tu as une affaire, tu as bien, à cause de ça, tu vas t'apparer. Tu sais, j'ai quitté le village, tous les petits villages bêtés, de Gagnoua, Isia, Niaprayo, Tiba Tiba, même maman, il est dedans. On a pris une décision. Nous les bêtés, à partir de désormais, on est décidé de faire une alliance avec les Djoula. Ce n'est pas une parole de théâtre. Hein. Si vous êtes d'accord pour une alliance de bêtés et de Djoula, vous n'avez qu'à applaudir pour montrer les yeux du monde entier que nous, on a un ici. Je quitte là, j'arrive au camp. On a reçu la visite d'un nouveau commandant. Lui, il a un nom particulier. On l'appelle le Ganga. Ça veut dire crabe. Donc lui, quand il vient dans le camp, il a sa manière de marcher. Puis il vient doucement. Quand il crie le Ganga, il dit, ouais, les animaux qui maillent de son un côté. Donc il vient maintenant, il s'adresse à nous. Il dit, le président Alassane ira le cafour. Quand chacun n'a qu'à faire son œuvre pour l'émergence de ce pays. Là, moi, en tant que le commandant, je vais faire mon premier œuvre. Je vais construire ici beaucoup d'hôpitaux. Son adjoint, c'est un ancien FDS. Il lui fait signe. Il dit, on ne dit pas beaucoup d'hôpitaux, on dit beaucoup d'hôpitaux. Il dit, ah, d'accord. Autant pour lui. Bon, moi, en tant que le commandant, je vais construire un hôpital. Le gars, il lui tape. Il dit, à quoi? Il dit, on ne dit pas un hôpital, on dit un hôpital. Il dit, mais il est remoulé. À peine je ouvre la bouche, tu me prends par la langue. Oh là, je vais dire tal, tu vas dire tol. Je vais dire tol, tu vas dire tal. Je t'ai dit, c'est total, je vais construire ou bien. Et puis toi, je t'ai remarqué, hein? À chaque fois, ni le hiérarchique doit ici, là, c'est toi qui veux te faire. C'est moi, elle est là. C'est moi, elle est là. C'est ça, non? Je vais enlever ça de ton ciel.
Je vois enlever ça de ton yeux. Moi, je laisse l'esprit, je continue. J'arrive où ça? Au Ramblais. Ramblais, c'est un quartier exceptionnel. À partir de 18h, ils ont leur hymne national. Quand il est 18h au Ramblais, tu attends. Ah, monsieur! On ne peut pas respirer. Car il faut Ibo. Là-bas, il y a les Ibo. Un Ibo qui voit une Godjula, puis il appelle. Il dit, Miss, come on, please. My name is Classus Uche. I come from Nigeria. Do you understand me? Elle parle pas. You speak English? Elle comprend pas français, mais elle sait que English c'est anglais. Elle dit, oh. Il dit, OK, sorry. I speak French, but small, small. Il s'appelle Classus Uche. Je suis quitté Nigeria. Moi, c'est pas Yoruba. Moi, c'est Ibo. Ibo, c'est l'un business. Ibo, c'est donner bonbon à la jeune femme. Ivoilien, c'est donner miflan. C'est mazé tchèque, c'est pas bon. Moi, je vais m'allier toi. Je vais envoyer Biafra. C'est connaître Biafra. C'est pas connaître Biafra. Nous, c'est Biafra. Je vais marier toi. La fille, elle est énervée. Elle dit, ça va pas chez toi. Il manque rien ou bien. Et puis, elle fait 5 pas, son téléphone sonne. Non. Allô? Et yawa? Oh, je suis là. Ah, mon grand sœur qui était enceinte là, non? Oh, elle a accouché. Et c'était disciple, hein? Oui, c'était disciple, hein? Oh, elle a accouché par saérienne, non? Il dit, elle a accouché par césarienne. Il y a un gars qui a arrêté à côté, il dit, ma chérie, tu es vilaine, tu parles mauvais français, tu ne veux pas dire césarienne. Elle dit, césarienne, oh. Césarienne, oh. C'est pas, tu peux convertir les gens. Donc, et puis, tu m'as dit, j'ai un vilain. Tu lui as dit qu'elle est vilaine. Elle va te répliquer dans la langue qu'elle maîtrise la mieux. Tu lui as dit qu'elle est vilaine, mais elle va te faire comprendre, je sais que je suis vilaine, mais mon cou est coupé, coupé, et puis elle brèche. Il faut la voir en attraction. Moi, mais je connais que j'ai un vilain. Ni ira longonja du coup. Mais merengano, Sarah Nyo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous aime. Je vous remercie. Amira la Carica.